mes chouidous, comme vous pouvez le constater, j'ai récupéré mon S9. Ça y est, il est arrivé ce matin. Youpi, youpi, youpi. Comment vous dire, je suis malade, je suis très enrhumée, mais ça va un peu mieux. Voilà, ça va un petit peu mieux. Me voilà dans mon univers. Alors, comment vous dire, c'est très verdure, hein, vous voyez pas, mais il y a plein de verdure. Hein. Alors, donc, sur ce, je suis allée à Action. Mais je ne vais pas faire mon haul action maintenant, je vais faire mon petit retour de course. Voilà, alors, comme d'habitude, hein, chaque semaine, je fais des courses. Cette fois-ci, je suis allée à Lidl. Bah ouais, mais ça, c'est le haul action, c'est action, mais pour l'instant, non. Ce que vous voyez là, je vais vous montrer vite fait. Ouais, sur la porte, c'est la Tour Eiffel, hein. Vous ne voyez pas. Mais regardez, ce que vous voyez là, c'est le partenariat que j'avais eu. C'est Bill Choubidou. Vous voyez, regardez, moi, j'ai des ballons. Regardez, j'ai des ballons à cactus. Bon, bref, allez, hop. Heidi, elle adore s'y mettre. On y va, go. Donc, je suis allée à Lidl. Sur ce, j'ai acheté des fraises. Je les ai payées 1,49 €. Franchement, des fraises d'Espagne, elles sont vraiment super sympas. Rien à dire. Alors, il faut savoir qu'il y a un YouTuber qui vient à la maison. Vous savez qui c'est? Non, ben, vous le saurez parce que je vais vous le montrer. Oh, c'est comme mon fils, hein. Même il est plus jeune que mon fils, donc c'est carrément mon fils. Voilà, il a besoin de venir sur Paris. Et puis comme c'est un ami, eh ben, je lui ai dit, ben, passe à la maison, tu viens. Alors il reste 2 jours à la maison. Voilà. Donc eh ben, je me suis dit, demain soir, parce que moi je vais travailler, donc je n'aurai absolument pas le temps de faire à manger, quoi que ce soit. Malheureusement, parce qu'il repart mercredi. Je ne vous dis pas tout de suite qui c'est. Ça commence par un A. Une fois. Ah, une fois. Ah, une fois. Déjà, je vous ai pas mal aiguillé. Donc, ben voilà, il mangera peut-être ce soir parce qu'il va arriver demain vers 10h30, 22h30. Donc, s'il a faim, ben, il mangera ce petit truc-là vite fait. C'est très bien, 2,49 €. Moi, j'en ai déjà mangé avec du fromage, c'est très bien. Et je me suis dit, si vraiment il ne veut pas manger ça, eh ben, on aura de la pisse saladière hein, que j'ai payé 2,49 €. Franchement, ben, je trouve que ça doit être sympa comme tout, avec des petites cétoises que j'ai payé 2,49 €. Voilà, faut aimer, comment dire, le poisson. Si j'aime pas le poisson, ben, j'irai acheter autre chose. C'est pas grave, hein, je peux commander. Hein. Alors, du thé. Alors, je me suis. Ça, c'est pour moi. C'est pas pour lui du tout, c'est pour moi. C'est du citron-gingembre parce que, comme je vais courir, il va falloir que j'ai des forces. Et ça, citron-gingembre, je pense que ça va être un sacré tonus. 1,19 € en promotion. Des endives au jambon parce que j'adore. 2,49 €. Donc, j'espère qu'il aimera. C'est mon plat préféré. Voilà. Et du coup, j'en ai pris deux. 2,49 €. Je me suis dit, s'il a envie de grignoter, mais vous voyez, moi. Bah, j'ai pris ça, des pockets jambon, fromage, tomate. Voilà, bah, il aura ça. Ça, je vais le mettre au congèle. J'ai pris un autre thé infusion gourmande ananas. En fait, il va venir, mais il a beaucoup de monde à voir sur Paris. Voilà, donc on n'aura pas trop le temps de. Par contre, le 9. J'ai quelqu'un qui vient à la maison pendant presque un an, mais il viendra 2-3 fois dans le mois. Voilà, donc ça c'est un ami à moi que je connais depuis des années. Brésilia, Brésil. Voilà, c'est un ami. Hein. Et rien d'autre, hein. C'est qu'un pote, un poteau, c'est que des poteaux. Celui que j'adore, il n'est pas là, il est au Danemark. Ah oui, moi je choisis bien les choses encore. Hein. Alors j'ai fait un gros coucou là, du Danemark. Bye bye. Je t'appelle tout à l'heure. Bon, bref, voilà. Une salade de jambon et mental, 1,80 €. Je me suis dit, bah, demain midi, lundi midi, bah, si il ne se lève pas trop tard, parce qu'il y aura Ivy, Ivy elle va le réveiller. Ivy à 6h30, elle réveille tout le monde. Elle me réveille moi, elle réveille Yannick quand il est là. De la porchetta, franchement, la porchetta italiano, ma molto, molto buona. Elle est très, très bonne et veramente non caro. Elle n'est pas chère du tout. 2,49 €, franchement ça coûte une blinde ça. Une mangue, 1,49 €. Vous savez, je vais faire une pile tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi il fait flou à un moment donné, je pense. Ça, bah, c'est des petites brioches. Mais ouais, pourquoi tu fais flou toi? Merci. En fait, il faut que je m'approche, sinon il ne fait pas focus. Ceci, je l'ai payé 79 centimes.
la petite brioche, mais c'est une tuerie. Donc on m'a dit que ça pouvait le garder jusqu'à demain soir. Donc voilà, si vous grignotez dans la nuit. Parce que je sais que mon fils, il aime bien grignoter aussi. Alors, des citrons, 99 centimes. Je ne sais plus pourquoi. Mais peut-être pour aller avec les, avec ça. Voilà. Trois pommes et deux avocats. Trois pommes et deux poires, n'importe quoi. Deux poires italiennes, j'en ai eu pour 2,24 €. Ceci, alors ça je ne connais pas du tout. Ce sont des légumes séchés. Mais franchement, je suis curieuse de les voir. Bah, regardez. Moi, je suis curieuse. Hein. Oh, regardez. 1,79 € quand même. Hein. Ah ouais, regardez ça. À mon avis, il y a des tomates, il y a des courgettes. Parce que moi, j'aime pas trop les tomates comme ça. Et les aubergines, je pense. 1,79 €. Alors, du coup, je me suis dit, je vais lui faire des pâtes. Je mettrai ces petits légumes-là. Et puis, je vais lui faire des pâtes avec un pesto trapanese. Voilà. Deux pavés à l'échalote. Je vais refaire des courses. Hein. Mais ça dit par mercredi, petit chou. Alors, enfin, petit chou, il est grand. Il est plus grand que moi. voilà. Mais vous le connaissez pratiquement tous. Hein. Si vous ne le connaissez pas, vous allez vous abonner à sa chaîne. Mais je ne peux pas vous dire qui c'est. Mais de toute façon, on va faire une vidéo ensemble. Alors voilà. Mariné, il emmène son matos. Alors comme ça, il emmène tout son attirail. Il emmène sa caméra. Il emmène tout. Ceci. Pavé à l'échalote. 3,99 €. Franchement, c'est pas cher, Lidl. Hein. 99 centimes les petites tomates. Il va pleuvoir. Ivy, elle se nettoie comme ça. Ceci, Italiano, baba au rhum, 99 centimes. Ben, je me dis, pourquoi pas. Mais je sais qu'en Italie, il n'y a pas de baba au rhum. Alors, parce qu'ils font de la pasticceria, mais c'est pas ça la pasticceria. Hein. Des petits radis, déjà tout épluché pour la feignasse que je suis, 99 centimes. Avocat, 69 centimes. De l'échalote, 1,10 €. Parce qu'il faut savoir que, en fait, c'est un truc de malade, mais moi, les épis, j'en ai plein et j'en ai jeté au moins une vingtaine. J'avais pas vu la date. Baba au rhum, pareil, 99 centimes. Chocolat, parce que je pense qu'il est plutôt dans le bio. Chocolat 60% cacao aux amandes. Je me dis, peut-être il va aimer. En fait, j'achète, mais j'achète dans l'espoir qu'il aime. Ce n'est pas forcément mes goûts, mais voilà. Voilà, 69 centimes, quand j'invite, j'aime bien... sac vide. Ceci, 1,49 €, des muffins au chocolat. Et je me dis que s'il adore, eh ben, un soir, ben, on ne fera pas grand-chose. Parce que moi, je me dis, je vais rentrer à 5h30, à 6h moins le quart. Je vais au kiné, je serai là qu'à 6h. On ne va pas se voir beaucoup, hein. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de passer du temps ensemble. Voilà, et puis il dort à la maison, comme ça, ça lui fait... Il n'y a pas besoin de prendre un Airbnb ou quoi que ce soit, c'est un ami, il n'y a pas de problème. Je l'adore, on s'est déjà vu d'ailleurs. D'ailleurs, encore un indice, on a fait une vidéo ensemble. Ceci, c'est des muffins au chocolat que je peux peut-être couper et puis mettre avec des fraises. Ou alors, baba, je mets une fraise dessus, vous savez, ça fera tout de suite bien. Ça, c'est un truc au chorizo. 59 centimes, une ficelle. La pasta italienne, la loi, bah, italiana. 1,75 €. Ouais, ça, c'est pas donné. Hein. Des mouchoirs. 1,10 €. Des croissants. 1,10 €. Ah, ça, c'est mon poulet que j'ai pas fini à midi, le poulet grillé. Après tout ça, c'est action. Maintenant, je vais montrer autre chose. Vous savez bien que quand je fais des courses, moi, je suis là. Quand je fais des courses, il faut toujours que je passe dans un magasin. Alors, tout d'abord, je pensais que c'était un tout petit paquet. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, oh, vas-y, ma fille. Comme je suis enrhumée. 2,64 €. Mais regardez comme ils sont mignons. Love, machin, nanan, truc de bulle chouette. Voilà, je vais me moucher avec du plaisir. Avec de l'amour, il y a de l'amour dans l'air.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Heureusement que j'ai des mouchoirs. Bon, complètement starbée, la fille, à l'ouest. Hein. À l'ouest, Sybille. Même pas maquillée, quoi. Je vais juste vous montrer un truc d'action que j'ai adoré. Je vais l'essayer maintenant. Juste un truc, hein, d'accord? C'est, voilà, 1,95 de Je m'aime Ébéline. Je m'aime Ébéline. Je m'aime Ébéline. Et moi, vous savez que le métallisé, c'est ma vie. Mais c'est Je m'aime Ébéline. Hein. Oh, je suis fatiguée, je suis enrhumée. Métallisé. Allez, ou quoi? Moi, je lui dis qu'il est pas mal. Il faut pas regarder les rides. Hein. Bon, allez. Il a un goût dégueulasse. Bisous. Bah, si j'ai le ticket, hein, je vais peut-être le changer. Hein. Ah, putain, il a un goût dégueulasse. C'est pourtant du Je m'aime Ébéline. Hein. Bah, je préfère le Max & More. Mais perso, je le recommande pas. Non, j'en ai acheté trois en plus. Mais je vais les échanger. C'est 2 euros quand même, c'est pas cher, mais non, j'aime pas la matière. Il la sèche un peu, mais je pense qu'il est sans transfert. Il est sans transfert. Est-ce que je l'ai encore? Voilà, je vous ai dit. Je vais à chaque fois dans ma boutique où il y a moins 50%. Donc j'ai trouvé ce pantalon pour 10 euros au lieu de 20, puisqu'ils font faillite, alors enfin, ils ont vendu la boutique. Jusqu'à la fin du mois, j'ai encore le temps d'y aller. Hein. Regardez ça. Non, mais regardez. Regardez. Avec mon youtubeur que j'adore, je vais, à mon avis, on va se filmer, mais je ne sais pas quand. Je vais essayer de prendre une journée. Voilà. Je vais essayer de prendre le mercredi pour être avec lui. Je vais essayer. Hein. C'est pas facile. Hein. Et puis ça, moi, j'adore le vert, vous savez. Hein. Ben, vous le voyez, d'ailleurs. Mais attention, pas n'importe quel vert. Là, il y a un vert que j'aime pas. Je vais vous montrer. Parce qu'il faut savoir que j'ai énormément de choses à faire gagner, de concours. Je n'ai pas encore fait le tirage au sort, mais il faut savoir que j'ai au moins 4 concours à faire encore. Et puis quand même. Ah, mais moi, je suis compliquée. Dès qu'il pique un tout petit peu, c'est mort. Non, je vais le rendre. Regardez. Mais regardez ça. 11 euros. 11 euros, elle va avec mon petit tabouret, avec ma mère. Regardez, je vais avec. Parce que vous ne voyez pas tout, je vous ai montré l'autre fois le room tour. Il assèche les lèvres. Il fait toute une histoire pour un rouge à lèvres de chez Action. Voilà, voilou. Sur ce, si ma vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez. Si elle ne vous plaît pas, c'est pas grave, hein. Moi je suis là pour partager avec vous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Moi je crois que j'ai une démaquilleuse, ça pique. J'aime pas. Oh, il va falloir que je me dépêche pour le rendre. Ouais, j'aime pas. Voilà, mes choubidous, bah, sur ce, je vais vous montrer quand même un truc. Complètement là-dedans, jusqu'au bout. Blindé de chez blindé. C'est les concours que je dois faire, mais que je n'ai pas le temps parce que, voilà, je travaille comme une malade, comme tout le monde. Tout ça, c'est des concours. Je n'ai pas fait encore les concours de ceux-là. J'ai juste mis dans les... Mais je n'ai même pas fait encore. Mais je vais le faire. Hein. Ah, mais je vais faire gagner celui de... Il y a Muriel aussi, il y a Paola que je dois envoyer un truc. Voilà, mais peut-être j'ai envoyé d'autres trucs. Hein. En fait, et puis j'ai décidé de vider mes tiroirs, c'est-à-dire que j'ai énormément de produits, je vais vous montrer, je n'utilise pas. Déjà ça, je vais le mettre, voilà, ça c'est pas mes couleurs, parce que c'est pas le vert foncé comme j'aime, vous voyez, ça c'est pas un vert que je veux. Ce que je veux, c'est un vert comme ça, mais pas comme ça. Donc ça, bah, j'en veux pas, parce qu'il y a du blanc, moi il faut que ce soit vert. Maintenant, faut que ça... D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Voilà, mon mur, le mur derrière mon canapé, il va être comme ça.
J'ai un ami, alors ça y est, je l'ai retrouvé cet ami, parce que j'ai retrouvé mon téléphone, donc j'ai retrouvé tous mes contacts. Voilà, donc il va me poser certainement, il me l'a promis, il devait me poser le Bouddha, du coup il va me poser le Bouddha de ce côté-là, et un grand Bouddha énorme, gris, couleur noir et blanc, et là il va me poser ça sur mon mur derrière mon canapé. Alors, je vais vous montrer un peu. Voilà, ça sera ici, à la place des trucs d'action que j'ai mis vite fait. Parce qu'il faut savoir que quand Yannick est parti, ben, j'ai eu beaucoup de dégâts. Ça n'a rien à voir avec lui, hein, mais bon, voilà. Hein, il y avait des meubles, il y avait tout. Il a fallu tout enlever. Moi, j'ai nettoyé, mais le problème, c'est que la peinture, ben, elle a pris un coup. Pas celle-là, hein, plutôt dans la cuisine et dans, bref, dans la salle de bain. Bref, je vous raconte ma life là. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Ça, je vais faire un anti-haul. Non, je vide mon tiroir, je donne. Voilà, je vais donner tout ça. Je ne sais pas comment, je ne sais pas à qui, c'est une meuf. Voilà, je ne sais pas à qui. Je ne sais pas. Tout neuf. Bon, ça, c'était le truc du lot. Tout neuf, hein. Oui, bon, j'arrête de dire tout neuf, c'est de toute façon, c'est tout neuf. Voilà. Peut-être ça, j'ai swatché, peut-être. Celui-là. Par contre, ceux-là, ils sont bien. D'ailleurs, celui-là, il n'a rien à faire là parce que c'est pas des trucs que j'ai vidés dans mon tiroir. Ça, c'est des trucs que je dois faire en cadeau. Celui-là, ben, je l'ai swatché. Donc, celui-là, malheureusement, elle est magnifique. Mais, je dis bien, elle est magnifique. Mais malheureusement, je suis très fragile, moi. Vous voyez, regardez, je ne l'ai pas utilisé beaucoup. J'ai fait un joli make-up avec et j'ai eu une réaction. Ça m'a brûlé, mais brûlé. J'ai arrêté. Mais c'est pas que Max and More, hein, avec le 17 minutes, je vous raconte ma life. Non, mais je suis complètement starvée. avec, vous savez, le masque pour les yeux de Sephora au thé vert. Eh ben non, j'ai été obligée de l'enlever, j'étais brûlée. Et depuis, j'ai un petit problème là. Mais bon, je sais pas. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu hypochondriaque sur les bords. Sur ce, mes choubidous, je vous aime, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Et je sais pas. Bon, on verra. Bah sinon, je le donnerai comme d'habitude. Hein. Je suis la reine des trucs que j'achète, des conneries, et après, je les donne. Sur ce, bah voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, à très bientôt. Je suis pas maquillée, hein. Pas grave, on n'est pas là pour se prendre de la tête. Bon, hein, sur ce, Sybille, tu vas? Oui, allez. Ciao, bye, je vous aime. I love you.